Bertrand. Bonjour Hugues, bonjour à tous. En direct de Bordeaux, troisième dégustation du blog de Vitis Epicuria, toujours consacré à Lucien Lemoine, comme la semaine dernière. La semaine dernière, on a dégusté un Vosne Romanée, Les Petits Monts. Là, on déguste un blanc, Chassagne Montrachet, Les Grandes Ruchottes, premier cru, toujours sur le même millésime 2007. Alors, pas la peine de vous représenter le domaine, enfin la maison Lucien Lemoine, tenu par Mounir Saouma et Rotten Brakin. On va directement passer à la dégustation du vin. Avec une belle couleur. Magnifique. Intense. Et un nez fantastique. Ça, c'est le seul regret que j'ai par rapport à une dégustation filmée, c'est que on prend notre pied de ce côté-là de la caméra et de l'autre, il va falloir que vous en achetiez une bouteille. Le nez est remarquable, très très minéral. Bon, les notes classiques, un peu beurrées, du chardonnay. Clairement pas marqué par le bois. Et très vif, très agrume déjà, rien qu'au nez. Alors je vois que Bertrand a pris de l'avance parce qu'il a presque fini son verre. Ouais, c'est excellent, il est très lourd. Il y a des notes fumées qui viennent s'ajouter. Fumées, il y a une bonne acidité, il y a du pamplemousse, du citron. Ouais, c'est très, très minéral, très équilibré et très long. C'est vraiment un grand vin de Chardonnay. Une belle trame. Alors, c'est quasiment une entrée de gamme hein, pour, je vous ai dit, Lucien Lemoine, c'est que de la haute couture, donc ça commence que des premiers des grands crus. Là, c'est quasiment une entrée de gamme, et franchement, on atteint déjà un niveau de complexité et une qualité aromatique, une intensité aromatique qui est remarquable. Ça se garde très longtemps et ça se carafe aussi. Alors, on ne le voit pas à la caméra, en fait, pour éviter de le carafer, on l'a carafé et on l'a remis dans la bouteille, donc il est quand même aéré depuis déjà quelques heures. Excellent. La semaine prochaine, on va goûter un vin américain du centre de la Californie, John Allman, un vin de Syrah. Et on vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine à consommer avec modération. Bien sûr.